Bonjour à tous. Donc cette semaine, eh bien, nous poursuivons le cours sur le Coran que nous avons initié, introduit la semaine dernière, donc avec la distinction, hein, vous vous souvenez, entre le Coran, parole, révélation, proclamation, récitation, révélée au prophète Muhammad. Nous avions abordé, si vous avez suivi le cours avec attention, la grande question de Muhammad Ummi, c'est-à-dire Muhammad analphabète, tel que la tradition musulmane le comprend, mais en sachant bien, et là il y a un enjeu important, que « Ummi » ne veut pas forcément dire analphabète, mais veut dire autre chose. Donc dans le cours, je mentionnais les différentes interprétations de ce mot, et donc l'ouverture aussi de la compréhension que cela implique, pour savoir qu'est-ce que c'est que le Coran et qui était Muhammad, aussi la connaissance de Muhammad en lien avec cette parole qu'il a reçue. Aujourd'hui, nous allons travailler davantage sur les sciences du Coran, ulum al-Quran. C'est-à-dire en islam, eh bien, bon, très bien, il y a le Coran, la parole révélée, mais comment l'aborder, hein? Comment la traiter? Comment la comprendre? Qu'est-ce que cela veut dire quand dans le Coran, il peut y avoir des versets qui semblent se contredire? Comment faire? Hein, comment comprendre ces contradictions, ces divergences, hein, irtilaf, hein, la divergence. Alors, il y a eu une élaboration progressivement d'une science qui va essayer de mettre de l'ordre, d'interpréter, de commenter le texte, mais aussi de distinguer des moments chronologiques où le texte a été révélé. Hein. Donc, la grande distinction qui va être posée, c'est la révélation entre les versets de la Mecque et puis les versets de Médine. Souvenez-vous, lorsque nous avons abordé la biographie du prophète Mohammed, en 622, hein, Mohammed doit fuir, hein, c'est l'Hégire, il doit fuir la Mecque pour se rendre à Médine. La révélation va se poursuivre, mais elle va changer de couleur, de coloration, d'expression. Hein. Et donc voilà, eh bien, aborder le Coran, les sciences du Coran, c'est aussi pouvoir dater la période de chaque verset. Donc ceci, on va donc le traiter au cours de cette séquence. On va voir la grande question aussi fondamentale de l'abrogation, hein, lorsqu'un verset peut être abrogé par un autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est possible d'ailleurs que le Coran abroge le Coran? Est-ce que Dieu peut se contredire, peut abroger sa propre parole? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez en fait, à travers ces petits détails, ces questions que je soulève, nous voyons que l'étude du Coran implique vraiment des questions théologiques avec, on va le voir, eh bien, des réponses différentes. Nos théologiens musulmans, en fonction de leur obédience, en fonction de la méthode, en fonction des outils sur lesquels ils vont s'appuyer, vont avoir des perspectives différentes. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, dans un cours sur les fondations de l'islam, c'est de montrer que l'islam est un univers avec une diversité, avec une pluralité. Il y a des penseurs, il y a différentes manières de rendre compte du livre auquel, évidemment, du livre fondamental qu'est le Coran et auquel croient bien sûr les musulmans, avec lequel ils prient, le livre qu'ils récitent quotidiennement. Donc nous allons rendre compte de cela, nous allons rendre compte des différents commentaires, des différentes exégèses du Coran, des différentes interprétations, donc assez classiques, mais aussi parfois plus mystiques, hein, qui existent et qui ont eu un rôle très important dans l'islam. Donc je vais rendre compte de ces différents statuts. Avec peut-être une anecdote pour finir, eh bien, j'ai un de mes étudiants de l'université d'Al-Azhar qui a fait sa maîtrise sur les traductions du Coran en langue française. Et il part du principe que lorsque la traduction s'éloigne des commentaires coraniques des compagnons de Muhammad, eh bien donc la traduction est faussée. Alors, vous voyez, bon là il y a un principe tout à fait respectable, hein, un principe théologique qui est posé, c'est-à-dire qu'il donne vraiment le primat dans la compréhension du texte aux commentaires des compagnons. Mais vous allez avoir en islam des musulmans qui vont dire « Mais c'est le Coran qui est la parole de Dieu,
non pas les commentaires. Et donc, il faut peut-être acquérir une certaine liberté par rapport à ces commentaires, revenir au texte source tel qu'il est, à partir de l'arabe, à partir de la densité des racines, en se libérant du prisme de lecture de ces commentaires coraniques. Mais vous voyez là, c'est une autre orientation qui est posée, qui peut donner donc du coup aussi accès à un nouveau sens, à une pluralité de sens du texte du Coran. Vous voyez que les enjeux sont en fait considérables, sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel de l'islam, avec des lectures littéralistes, fondamentalistes et parfois, disons-le, fanatiques, eh bien, ces relectures ont un enjeu religieux, mais aussi politique considérable. Elles apparaissent comme nécessaires pour les réformateurs de l'islam. C'est aussi cette pensée à laquelle je voudrais peu à peu vous initier, vous donner accès. Elle existe, elle fait partie aussi de cet univers musulman. J'essaye de rendre compte de tout, mais encore une fois, cela nous vous ouvre à cette polyphonie, à cette pluralité qu'est le monde musulman. Donc bon courage dans le travail de ces sciences coraniques. Des termes un peu techniques, inévitablement, mais je pense que ça vaut la peine. Bon courage.